il a déplacé tout. Ouais, non, j'ai déplacé non, tout le monde. Et donc bonsoir. Ça va? Bonsoir. Remember it. Que du 3v3, prise de bunker, point. Que du blue. Ah, ok, ok. Ah. Ça va. Bien, ça va. On peut aller jusque dans le meeting. Meeting, red tower meeting, le gris, c'est tout. Ok. Après, je vais prendre vraiment une boîte chiant, mais... Okay. Ah, les jeux de mots, les gros mots, là. Ah, ouais. Non mais oh, ok, la bienveillance et la bienveillance, tout ça, ok. Moi je fais jamais de gros mots sur mon truc. Non. Moi j'ai grave de drop, hein. D'accord. Même mes décals, ils sont pas proches. Mais te plains pas, arrête de te plaindre. Ouais, ok. 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 Sinon je le dis à ton père. Attends, bouge pas. Ah ouais, carrément. Attends, ça va passer. C'est Sled, j'ai touché Sled. Le proviseur va avoir un gosse, il va l'élever à la rude. Ouais, bah moi je vais l'élever comme. Je vais l'élever à la nantaise, hein, tu sais, comme Xavier Dupont de Ligonnès. Hein. Ça deny le. L'orni bleu. C'est bleu, derrière le baril. Voilà, il encore. Ça, hein. Non. Elle vous a un V3 là? Ouais, ouais. Elle est forte, j'aime bien. J'ai le PC portable prêt et tout. Oui, alors? Ou laisse tomber, ou je reste avec ça. Laisse tomber. Non, c'est trop long, ouais, c'est trop long après. Attends, non, tu me poses une vraie question ou ta question elle est rhétorique? Non, c'est une vraie question. C'est une vraie question, donc je peux te permettre. Donc tu m'as vraiment demandé si tu devais laisser tomber ou s'il fallait, tu pouvais le faire. Oui, ok, et d'accord. Et moi je t'ai répondu. Et je t'ai répondu quoi? Non. Je t'ai dit de laisser tomber, non? Ouais, tu m'as dit de laisser tomber. Ok, bon, du coup on peut arrêter la conversation ici. J'ai juste à brancher. Du coup, on peut arrêter la conversation là où j'ai dit on laisse tomber ou pas? Quoi? Ok. Oui, coach. Oui, coach. Ouais, super. Va pas m'emmerder, lui. Petit con, là. Dans le bunker? Ouais, déjà, dedans, ouais. One tap? Ouais. Non. Je le kill, bordel. Oh! Bien joué, chiche! Pas mal. Une tapette! Non, ça changera rien. De quoi? Je comprends pas. Non, mais ça changera rien, qui? Non, de ça quoi, changera qui? Rien, coach! Ah, souris! Ok, y'a intérêt. Y'a un maestro sur moi. Contact à gauche de la breach. F1 c'est clear, F2 c'est clear. Carré, écho. Ouais, double d'or maintenant. Bah copie, on va piquer ensemble Echo. Une minute encore. En fait, faut que Len et moi on pique ensemble Echo en fait. Ok, synchronisez-vous, bah vas-y. Au top, toujours. Reste à Lyon. Et moi je vais piquer le Tatchenka pendant que vous jouez l'Echo. Echo et double d'or. Double d'or et un radio. Synchronisez-vous, ça part. Je suis rentré. I'm sight. La même. Je barred. Radio mort. Echo carré. Je plante. Il est rouge. Rouge. Biguez le pas, il est porteur. Bien joué. Comme on dit étape par étape, du micro-management, ce qu'on disait pendant le débrief, on est en 3v3, il y a trois problèmes. Un radio, le écho qui double d'or de l'autre côté et le mec au top. On boycotte le mec au top et on va jouer les deux qui nous emmerdent. Les deux qui nous emmerdent, c'est le mec radio, moi je peux rentrer couleur rouge et le tuer, et vous jouez les échos à deux. Et c'est exactement ce qu'on a fait, il y avait une solution à tout le problème sur ce round, on l'a trouvé. Il faut que ce soit comme ça sur tous les rounds. C'est pas parce qu'on est en 3v4, 3v5, 3v je m'en fous. Le round il est jamais perdu, il y a toujours une solution, faut la trouver, c'est tout. Les gars, on a Flores, donc on va même pas prendre les rappels. On va laisser Flores gérer et on prend les rappels s'il y a besoin. Je vois pas celle, hein. Je sais pas où il est, ou alors il est allongé, mais je sais pas. Non, il est meilleur. Ok, le mec il a peut-être pixel le Heger. Alors Ronnie Mezzanine, faut vite runner le cigare s'il vous plaît là. Je vais rentrer piano, je pense. Rouge. Y'a un shield long aussi. C'est une vraie syndrome. Pixel, y'a personne derrière le shield, y'a personne derrière le shield Pixel. Ok. 15 secondes. 17 secondes. Un V2, un freezer. Mettez vous en place. Vous voulez faire quoi? Je peux pas, attends. Faut exec, hein. Tu veux planter où? On va spotter, hein. Bah, faut planter V1, hein, on n'a pas le choix. B1, il est ouvert. Ah, y'a rien qui est pété. Ah ouais, non mais attends. Toilette. On peut rien faire. Toilette. On peut rien faire, c'était trop long pour le cigare. On a mis trop de temps. J'ai même le problème en fait, c'est que j'ai beau rappel sud, ça me joue agressif sur la fenêtre depuis la scène. Faut un rappel ouest aussi. C'est une map à rappel, on peut jamais esquiver le rappel. Y a pas de solution sans rappel. C'est une map à rappel. D'accord. Pour prendre le piano, faut prendre le rappel. Mais même le cigare, pour que je rappelle piano, faut les deux rappels. Pour avoir un cross sur tout le piano.
C'est oui ou ouais. C'est non par rapport à ce que Nado il a dit, parce qu'en fait problématique de late game ou de mid game, c'est pas au late game ou au mid game que ça a posé problème, hein, c'est en early. Hein. Il y a un mec qui se montre au niveau du piano, il y a personne qui vient pour essayer de lui mettre une double pression, quoi. Et en fait, on est toujours sur le c'est pas une question de micro management, c'est une question de micro situation, quoi. Prise de piano rappel, ça c'est un truc dès le début, c'est limite le genre de truc que la semaine prochaine il va falloir travailler, quoi. Deux blaireaux qui se mettent au niveau du piano, la plupart du temps un, et puis deux qui commencent à monter avec un autre qui cover une sortie éventuelle. Bon, il n'y en a pas besoin dans la mise en situation, mais d'une personne au niveau du garage blanc, quoi. 2v1 et rejouer ça. Comment est-ce qu'on peut le jouer de façon optimale? En l'occurrence, si je joue pas le cigare, il n'y a pas besoin, mais si je joue le cigare, on a besoin. Si on veut sortir le mec cigare, par le rappel suite, faut les deux. Complètement, rappels. Mais là, en l'occurrence, on se fait niquer au niveau du piano, et puis c'est de là. Le château de cartes est tombé à partir de ce moment-là, en fait. Ouais. On refait la même. Vas-y, ok. Zayden, tu me recoupes les windows? Ils ont refait la rota Bécry. On fait quoi? On fait un anti-roaming? Ou on fait une fronte? Non. Une fronte. Ils défendent la Bécry, on peut fronte. Zayden, tu prends les têtes piano ou pas? J'ai un drone au-dessus. Sur le mec au-dessus, j'ai une info sur lui en late game. Ok, mais ça pique quoi dans la Bécry? Il me faut l'info là. Mais ça pique prep, pulse. J'ouvre la porte. Bécry, il y a un mec, Maestro avec un ADS. Ils ont le même setup, hein. Vas-y, ça deny. Net prep, mort. Bien joué. Je suis sûr, c'est clear. Echo, il est double door. Et l'autre au-dessus. Il y a un double door, Echo. Non, radio, il est Tachenka. Tachenka, radio. Je vais aller planter, Je peux smoke les plantes. Garde la cover, Nado. Vas-y. J'ai Night. Il y a Boudor, wesh. 50. J'ai le Boudor. Mort, mort. Il est passé par où là? Attends, tranquille, deviens. Il est de contact au bifle. Il m'a tué, l'autre il est carré, il était. Non, il est prêt. Attends, il est prêt, il est passé en fait. Ok. Bah ouais, si t'as tué Momo, il est obligé qu'il est prêt, qu'il est contacté. C'est pas lui qui me tue, c'est pas lui. C'est qui? Tachenka. Mais non, il a pas fait la moins 3. Si, c'est lui qui me tue. Oh là là, bah personne me prend le Boudor. Et parce qu'en fait, Zayden il a lâché le Boudor et la push, c'était bien, mais juste nous on a pas fait gaffe. Il a lâché le Boudor pendant l'exec. Ouais. Au pire, Zayden, essaye de. Faut quelqu'un reprenne le Boudor derrière, faut vraiment. J'aurais pu le reprendre, j'avais pas l'info. Ouais, bah il fait la moins 2 comme ça, c'est dommage. Comment tu la colles le fait de partir de ton Boudor, Zayden? S'ils sont 3, je crois que j'ai dit je vais main, mais je suis même pas sûr. Et du coup, qu'est-ce qu'il faudrait faire là à ce moment-là? Il faut faire en fait le move de fait que je prenne le mate, c'est pas mauvais pour pusher Joseph, justement le call. C'est quoi qu'on entend dans le micro? En fait, il faut qu'il dise je lâche le boudoir, je push le main et quelqu'un le reprend à ma place. Et non. Tant que personne ne le reprend, il push pas main. Non, toujours pas. Rappelez-vous de ce que je vous ai dit lundi. Ah oui, c'est Master prend le boudoir. Exactement. Et moi je vais retamer. Il doit forcément target quelqu'un qu'il a compris étant pas important sur la continuité de la machine. Quelqu'un le fait. Si personne ne lui répond, il est obligé de prendre quelqu'un et lui donner la responsabilité, lui balancer la responsabilité dans la tronche et que le silo te valide, il le valide. Master, vas-y, viens prendre le boudoir s'il te plaît. Ok, ça marche. C'est bon, il se casse. S'il le fait pas, là on a failli perdre le round à cause d'une com de Zayden. Vas-y, prenez le piano, prenez les pauses, j'ai le bac rouge. Il y a une rota toilette, freezer c'est clear. Toilette c'est clear, il y a une rota B2 c'est clear aussi, la skylight est clear. Fais deny la caméra. Ouais. Ok, il est C3. Ah non, mais il y a un Aruni. J'ai lâché les C3. Vas-y, faut y aller, je joue ma drone. Il est toujours C3, sur la trappe. Il a drop, bien joué. Palette, il a drop. Ok, go mettre en place une plante pilier. Les gars, BP close porte. Il vient de bouger. Il faut qu'il y en ait un qui reste au top, un qui garde le retour rouge avec le drone que l'on a. Et un qui drop, il faut deux drops avec moi, un à la porte. Mort, Pilar. Je drop avec toi, Maui. Y'a pas de route à allô. Il a une drop aussi. Ok, j'ai rien à ligne sur le pilier. Personne Landry, moi je prends. Moi je vais drop Landry. Passe avec moi. Non, reste avec la Tinado. Vas-y, go. Je peux les planter. Vas-y, go. Y'a pas de route là, je vais drop. Vas-y, je coupe le couloir rouge. Faut le tuer, librairie. Hein. Non, c'est le mec librairie le problème là. Bah oui, c'est l'arme au blanc. Non, mais oui, mais Nato, je t'ai demandé, tu ne lâches jamais la vertie quand t'es sledge. Hein. C'est exactement comme des roses sur café. Hein. Tu m'entends pas, y a pas de rota Landry, ça ne sert à rien que je garde la vertie, j'ai aucune coupe à tenir. Non, il pique, il peut pique. Je fais juste un Mais vous l'avez depuis le pilier cette ligne. Et moi, si je drop Landry, je coupe tout le rouge en fait. Mais en plus, y'a pas de rota. Tu t'en fous, si Master, il faut que vous soyez à deux pour prendre la cover. Si Master il pète, il fait la moins deux derrière le mec. Et tu ne lâches jamais la vertie. Après, il récupère la vertie, je me repars au-dessus, c'est fini, Nado. L'oracle il est devant toi. Momo, je peux pas t'aider par le boudoir, y'a un nomade. Sortez. Nice, bien joué. Vas-y, give up. Vas-y, go. Avec ces boudoirs, j'ai eu deux drones. Et c'est devant la Bécry. Et non, boudoir, y'en a. Et le rentré boudoir Small Bécry, drone. Ok, c'est rentré dans la Bécry. Hein. Derrière la Bécry, Ace. Ok, il est rentré, il veut péter ma cam. Je le C4. Vas-y. Ah, il va péter ma cam. Il est mort. Nice. Je pique boudoir. Boudoir et Ace. Je suis basque à rouge. Bon, ouais, je vais. Je pique derrière. Reviens, les gars. Non, il m'a eu, j'aurais pas dû pique, my bad.
prep, non? Allez, où prep? Il est prep, il est... Non, il est bécri, il est à la porte, en fait. Diffuse, était où, Nado? Je l'ai pas vu. Je leur donne l'école. C'est la dernière fois que je l'ai claqué à la bouche. Pour moi, il est bécri, va prep. Et ton couleur rouge, arrête de regarder là. Okay. Couleur rouge, couleur rouge. Couleur rouge, il avance. Oh là là. Oh là là. Il y en a quelqu'un, maman, c'est ma faute. C'est dans le. Tu sais que je regardais, je la sentais en fait, c'est pour ça que je regardais. C'est en mode, tu sens, il va faire ça. Bien joué les gars. Bien joué Hélène. Bien joué Lenny. Thank you. J'ai envie de vous voir faire ça là, j'ai envie de vous les voir. J'ai envie de temps en temps d'avoir le fait de vous dire, ok, je pique, mais juste parce que je sais que. Enfin, j'ai envie de. Voilà, vous les fassiez chier de temps en temps quoi, tu vois, dans cette logique de. Je leur fais perdre du temps, là j'ai pas besoin de pique, et je pique pas du tout, tu vois. J'ai envie de vous voir jouer avec les mecs en fait. Parce que le problème c'est qu'après vous allez driller, c'est du drill boîte de concert, vous allez prendre l'habitude de faire des piques, et voilà. Prenez aussi l'habitude de faire le truc un peu casse-couille, de ne pas aller faire les kills de temps en temps quoi, sur vos défenses quoi, et de jouer un peu avec l'adversaire en fait. Ok, j'ai compris qu'avec mon C4 j'avais machiné, ça me permet de me replacer à Harry Potter et pas je recours, je refais un kill et je vais me redécaler, tu vois, alors que le mec il t'attend. Essaye de t'imaginer la place du mec en face là. Qu'est-ce qui s'est passé dans son call quoi? Il y a un mec boudoir, il vient de me tuer. Son crosshair t'attend, t'sais.